Les batailles se passent sur le corps. Je suis témoin d'atrocités des masses commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés. Il y a une assassinée au massacre. À côté d'un viol, c'est plus que ça. Dans toutes les guerres, partout dans le monde. On l'a fait partout. Et c'est ce qui a mieux réussi à date pour justement éliminer des populations, malheureusement. L'été passé, je vous raconte une anecdote, l'été passé, j'étais dans un sommet sur la francophonie et j'ai voulu faire adopter une résolution par 50 pays. Une résolution qui dénonçait justement l'utilisation des femmes comme arme de guerre, en voulant nommer les pays, dont la RDC, le Mali. Il fallait voir, malheureusement, les femmes de ces pays-là qui ont refusé. Qui ont refusé. Pour ne pas être stigmatisées. Pour ne pas, lorsqu'elles reviendraient chez elles, comme élus, se faire taxer d'avoir fait accuser leur propre pays. Puis c'est pas par manque de courage. Parce que même elles, comme femmes élues, dans leur propre pays, sont toujours sous la menace. Une menace plane sur leur tête toujours. Et même au bout de quelques jours, après avoir discuté avec elles, elles ont été comme... Je vais le dire comme ça, elle aurait été comme interdite de me parler. J'étais une menace. Moi, quand on demande à un homme de violer sa fille, quand on demande au petit frère de violer sa mère, ne demandez pas pourquoi ces hommes ne parlent pas. Ils sont coupables. Ils sont coupables d'avoir violé leur mère et d'avoir violé leur femme. Et c'est pour ça qu'on le fait comme ça. On les rend coupables. Et c'est pour ça qu'ils finissent par ne plus rien dire. C'est une façon de faire taire. La terreur fait taire. Et malheureusement, ça existe encore chez nous, sur notre planète. J'étais au Congo l'été dernier. Et on ne pouvait pas parler de ce qui se passe. La femme qui a été violée dans notre maison. C'était le silence radio. C'était fini. Donc c'est ça, il faut peut-être briser ce silence-là. Parler, dénoncer. Ça serait le premier pas qu'il faut faire. Dire des choses clairement, telles qu'elles se passent. Mais lorsqu'on s'était, on donne raison aux violeurs, à celui qui vole, au massacreur. Aujourd'hui,
on ne tue plus par le fusil, on égorge maintenant à la machette, par le couteau. Il n'y a pas longtemps, on a égorgé les malades et on ne dit rien. Et je crois que c'est ça. Si on ne dit rien, on repose justement au piège de l'autre, de ces massacres. Ils veulent imposer les silences. La famille, le mari peut être parti et qu'elle se retrouve avec un handicap et seule, malheureusement, abandonnée par tout le monde. Quand ils arrivent ici, c'est une tristesse inouïe. Donc, le sourire, c'est le signe de revenir à la vie. La joie de ces malades, c'est vraiment un feedback pour nous. Et donc, c'est dopant, si je dois dire ainsi, pour continuer à faire son travail. Le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Et là, peut-être, des fois, on est un peu impuissant comme ça, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on se sent tellement impuissant. Mais si vous voulez, avec ce petit téléphone qui a le coltan dont on parle, si vous pouvez vous l'utiliser pour nous aider, ou votre portable, pour faire un geste, utilisez cette arme-là, mais une arme de bien. Est-ce que ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire? OK. Oui, avec vos courrières. Si vous faites tous, on a envoyé un dossier gros comme ça à Denis Lévesque. Vous connaissez tous Denis Lévesque, hein? Oui. Bon, et puis son chef de pupitre semblait intéressé. Est-ce que vous pouvez tous appeler à Denis Lévesque, écrire un courrier, dire d'inviter Mme Poirier, d'inviter le mouvement pour Congo pour une entrevue de fond? On a envoyé le même dossier à Guilla Lepage, tout le monde en parle. Si vous pouvez faire la même chose, qu'ils invitent Mme Poirier, qu'ils nous invitent pour aller informer de la situation. Troisièmement, si vous voulez suivre nos actions, vous joindre à notre page Facebook, Mouvement Paix au Congo. Mouvement Paix au Congo. Si on fait des actions, vous pourrez à ce moment-là être informé. Une quatrième chose, vous avez vu le beau travail que votre députée ici a fait, Mme Poirier, à l'Assemblée nationale. Nous essayons de poursuivre son travail maintenant à Ottawa. Parce que, comme je vous expliquais, le Canada doit se prononcer pour exiger de ses minières, entre autres, qu'elles se comportent bien, mais aussi pour dénoncer dans la francophonie, dénoncer sur le plan international les massacres. Donc, ce que Mme Poirier a fait ici à l'Assemblée nationale, nous sommes présentement en train de travailler avec notre député pour que ça se passe à Ottawa. Fuir la population, comme le docteur expliquait, pour qu'il n'y ait pas un état de droit. Comme ça, les gens peuvent continuer de profiter, de s'installer dans la région et piller, entre autres choses, parce qu'il y a beaucoup de diamants d'or. Mais surtout, le coltan, c'est 80% de la réserve mondiale qui est là, dans cette région du monde. Et ça, tout le monde en a besoin, les Japonais, les Asiatiques. Donc, les gens vont se servir sur leur territoire. Mais si vraiment le Congo est un pays bien organisé, est-ce que nous pourrions aller nous servir de ces richesses-là? Non. Et là, peut-être, des fois, on est un peu impuissant comme ça, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on se sent tellement impuissant. Mais si vous voulez, avec ce petit téléphone qui a le coltan dont on parle, si vous pouvez vous l'utiliser pour nous aider, ou votre portable, pour faire un geste, utilisez cette arme-là, mais une arme de bien. Est-ce que ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire? OK. Oui, avec vos courrières. Si vous faites tous, on a envoyé un dossier gros comme ça à Denis Lévesque. Vous connaissez tous Denis Lévesque, hein? Oui. Bon, et puis son chef de pupitre semblait intéressé. Est-ce que vous pouvez tous appeler à Denis Lévesque, écrire un courrier, dire d'inviter Mme Poirier, d'inviter le mouvement pour Congo pour une entrevue de fond? On a envoyé le même dossier à Guilla Lepage, tout le monde en parle. Si vous pouvez faire la même chose,
qu'ils invitent Mme Poirier, qu'ils nous invitent pour aller informer de la situation. Troisièmement, si vous voulez suivre nos actions, vous joindre à notre page Facebook, Mouvement Paix au Congo. Mouvement Paix au Congo. Si on fait des actions, vous pourrez à ce moment-là être informé. Une quatrième chose, vous avez vu le beau travail que votre députée ici a fait, Mme Poirier, à l'Assemblée nationale. Nous essayons de poursuivre son travail maintenant à Ottawa, parce que comme je vous expliquais, le Canada doit se prononcer pour exiger de ces minières, entre autres, qu'elles se comportent bien, mais aussi pour dénoncer dans la francophonie, dénoncer sur le plan international les massacres. Donc, ce que Mme Poirier a fait ici à l'Assemblée nationale, nous sommes présentement en train de travailler avec notre député pour que ça se passe à Ottawa. Le dossier est rendu sur le bureau de M. Stéphane Dion, le ministre des Affaires étrangères. Même chose. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, téléphoner au bureau du ministre, écrire un courriel pour dire, s'il vous plaît, appuyez, faites quelque chose pour la RDC. Tout ça. Ils sont dans une situation où c'est difficile de parler. Tu vas parler, quand tu n'as rien, tu n'as pas de voix. Parce que celui qui fait le mal est soutenu par quelqu'un de plus fort que toi. Et donc, ce que tu dis ne sera pas à ta vie. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du théâtre. Ce qui se passe là-bas, c'est vrai. Ça se passe comme ça. Chaque jour, il y a des morts. Et le problème est peut-être plus grave. On ne sait pas où commencer pour mettre fin. Moi, c'est grâce à Christiane que j'ai dit, je vais sortir de la sacristie pour faire quelque chose. Je suis prêtre. Il est prêtre. Je remercie les Congolais qui sont ici, la communauté congolaise de Montréal. Je remercie le bureau de la députée de Hochelaga Maisonneuve, Catherine qui a travaillé beaucoup, Étienne et tout le monde. Ce sont ces petits gestes qui font la différence. On n'attendra pas qu'il y ait un grand miracle pour les faire. La responsabilité nous revient à nous. Nous d'abord les Congolais qui sont ici, c'est à chacun de prendre sa responsabilité et de faire un petit geste, et c'est après que nous pouvons faire ce travail avec la communauté internationale.